Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH, pour vous faire la suite de notre let's play découverte d'Astrobot sur PS5. La dernière fois, on a entièrement terminé deux niveaux de sortie secrète et le troisième niveau majeur de la troisième nébuleuse avec beaucoup de mal. Il m'a beaucoup, beaucoup pris la tête. Un peu trop. Donc j'espère que c'est pas un signe que tous les niveaux vont être pareils. En même temps, lui était quand même designé assez particulier par rapport au reste. Donc c'est parti pour le quatrième niveau principal, pris par le temps. Bon, déjà, j'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance. Parce que si je vais là-dedans. Ouais. Comme ça au moins on le sait. Oui, il y a un panneau, mais on sait jamais, hein. Oh. D'accord. D'accord. Le poulet est un jetpack. Pourquoi pas? Ouais, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup l'ambiance. C'est ça qui était planqué? Ouais. Raté. J'ai des rêves de chanter sur la musique. D'accord. Ok. Il y a moyen que ce niveau soit bourré de secrets. File-moi ça. Il dégage. Je sais que j'ai rien oublié. Je pense qu'on est bon. Par contre, je veux que de savoir pourquoi le niveau s'appelle pris par le temps, à part qu'on a un sablier géant dans un désert. Ok. D'accord.
Bien planqué, lui. Chasseur de rêves autorisé à porter une arme. Ça me parle à moitié, ça. Quand je le mets KO, je peux pas prendre le truc qui est derrière lui. Voilà. Alors, avant de descendre... J'ai oublié qu'il faisait ça, lui. Ok. Ça c'est bon. Pas intérêt à se mettre ici. On va dire au sein du paysage, mais. Ok. Elle cherche à entendre son écho. Enfin, elle, il. Parce que Castro est déguisé en 4 que. Enfin voilà. Doit être là-dedans. Même si j'ai pas encore fait ça. Il y a intérêt à faire ça. D'accord. Ok. Comme ça. Je peux aussi me servir de ça comme attaque offensive. Oh. Fais-moi ça, toi. Ok. Hop là. Un peu tricky, mais ça passe. Là au-dessus, non. Pour l'instant, on doit être bien. Fais-moi ça déjà. Vu le rythme de récupération des bots, ça sent un niveau très long. Je dis pas long parce que j'aime bien l'ambiance. De toute façon, j'ai toujours aimé des déserts dans les jeux. Je vais pas expliquer pourquoi, mais... Il n'y avait rien de caché par rapport à... La dernière fois. Alors la suite. Il y a un bot là-bas.
Ah d'accord, y'a pas plus loin que ça. Oh. Et ça, c'est le héros de journée. Voyageur du désert se fait chaque jour de nouveaux amis. Parce que le truc que j'ai découvert qu'à la fin de Journey, parce qu'on l'a fait en stream sur la chaîne, c'est qu'en fait les petits personnages comme nous, c'est pas des PNJ qu'on voit dans le jeu. Ce sont des joueurs IRL qui font bien de voir que nous. Et j'adore le concept. Ok, donc ça c'est pour la suite. Je... Oui, ce qu'il y a le checkpoint là-haut. J'ai toujours autant commencé en directement le logo Xbox. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc, je pique la pièce du milieu, pas la première. J'ai pas fait gaffe à ça. Bon, c'est pas grave. Il en est là, ok. J'adore toujours autant ce petit truc. C'est très con, mais... Non mais oh, tu viens là, toi. Okay, ça, c'est bon. Ensuite, t'es au-dessus. Aïe. Donc ça peut s'en mettre comme c'était. C'est bien ce que je craignais, c'était temporaire. Par contre, il me manque un bot là. Ah, oui, bah il est là-haut. Alors, tu vas être un peu relou à récupérer. Voilà. Ok,
Et il va manquer une pièce de puzzle au début du niveau. Bon. Raté. Qu'à chaque fois je vais faire le les pièces finales, je me fais prank, hein. Bon, le boss est dispo. On a fait tout le niveau ici à fond, en incluant les sorties secrètes quand il y en avait. Donc on vous fait vite faire un tour dans ce niveau pour récupérer la première pièce. Et on affrontera le boss. J'espère que c'est pas au niveau du serpent, mais bon, on va le savoir très vite. A few moments later. Je m'en doutais. J'ai fouillé les moindres recoins du niveau avant la première pièce, je trouvais rien. C'était évidemment le serpent qui brillait. Bon bah, je recoupe en off pour compléter le niveau. À tout. Et voilà le travail. Un nouveau niveau de compléter à fond. Enfin, j'ai envie de dicter que le serpent qui brillait dans la phase de Doodle Speeder, c'était une pièce. Allez. Maintenant, on va affronter le serpent. Il n'y a qu'un seul bot VIP, comme d'habitude. Il y en avait deux dans le précédent monde, mais bon, comme c'était Kratos et Atreus, ça comptait que pour un. Attendez à des serpents. J'ai voulu aller trop vite. Attends, des ennemis qui sortent de jarre dans un niveau comme ça. J'entends forcément des serpents. J'adore l'ambiance de ce niveau-là. Lady Venomara, ok. Ok, j'ai compris l'utilité du jetpack. Hardcore celle-là. Oh,
tomber sur la sadique de service. J'ai encore mal à timer le temps que le jetpack reste actif. Ah, si je pète les œufs avant, j'ai moins d'ennemis. Ouais, moi c'est que des ads. La musique elle colle pas du tout au boss, je trouve. Ah d'accord, ça va être très petit à force. On est raté un. Ça, elle leur fait à l'infini tant que j'ai pas fini. C'est cool. C'est-à-dire que le boss faisait qu'en deux phases, mais non. La troisième phase, elle est ultra géniale. Aïe. Bah, peut-être le boss le plus dur et le plus intéressant depuis le début du... jeu. Avec le thème de Drake qui joue. Bon, et ben, le niveau de licence de la troisième nébuleuse sera sur Uncharted. Ça m'a traversé l'esprit quand j'ai vu le coffre. Et quand j'ai vu l'ambiance du niveau. Ah, il y a que 6 bots. Dude Rider. Alors, comme ça, c'est assumé que. Oh! C'est assumé qu'Uncharted est inspiré des Tomb Raider. Bon, bah après les niveaux triangle, le niveau cercle. Seems legit. Bon, ça c'est déverrouillé.
On va juste faire ça au passage. Comme ça, après, on revient à la base et on se fera le niveau licence la prochaine fois. Ah si, j'ai compris. Faut que je fasse tomber leur estrade. Ah non! C'était presque. Voilà. Simulateur professionnel, son unique but en marqué. Ah, ça va être PES. PES football, je crois. Parce que Football Manager, c'est Sega, donc ça serait bizarre. Oh. Viens ici. Viens là. Enfin, le deuxième du coup. Trop vite, encore une fois. Mais ça paraît con, mais les ravages rétro sont pas si évidents. Genre, ça me touche. Le lapin est voué à tomber. Chef étoilé, l'ennemi juré des cafards. Ah, par contre, j'ai pas du tout. Un jeu sur la bouffe, je suppose. Et ça me dit rien du tout. Est-ce qu'il y en a un autre qui va apparaître ou pas? Si on regarde, là, il nous manque 6 bottes. 7, 8. Donc 9 et 10. Yep, c'est ça. Ah non, il manque encore deux niveaux quelque part. Bon, on verra ça en temps et en heure.
Le parc safari est ouvert, ne vous faites pas mordre. Ah, et ça, c'est celui qui est au niveau du désert tout au loin. Là-bas. Je suis curieux de savoir ce que c'est, ça. C'est un mode photo. Ça file un succès. Il y a des bots là aussi. Le compagnon canin, c'est qui le bon bot? Celui-là, je l'ai pas. Quand même. Compagnon canin plus a appris de nouveaux tours. Photo, j'ai cru qu'il y avait un œuf au début, mais non. Il y avait que deux œufs ici. Possiblement. Ok. Futur à la con, mais futur cool. Du côté de la... du bassin là. Alors que non. Passer dans le cerceau tenu par le dauphin, mais ça sert à rien. Bon. Bon, c'est cool. Ça sert à rien, mais c'est cool. Bon, alors un petit tour de gacha et on sera bon pour aujourd'hui. Arc du garçon appartient à un jeune bien Loki. Ouais, bon, évidemment. Pour Atreus. Sphère footballistique, elle sera le soldat de tous 11 gagnants. Lance de chevalier, heureusement vous n'en tomberez jamais à court. Ah, tu es de Gran Turismo. Canon fleur plutôt moderne pour une relique. Fait du soleil et ciseaux dorés, les deux sauront blesser vos ennemis à leur manière. Je l'ai toujours pas lui. Téléport anormal, ne laissez pas aspirer votre âme. J'ai pas fait Persona 4, mais je sais qu'il y a un délire avec la télé. D'accord.
commence par un fait de jeu pour avoir la ref. Voilà, comme toujours de foot, ça simule. Oui, j'aime peut-être pas tellement le football. Bon, et ben ça fait un bon épisode, on a fait deux niveaux. On a fait un niveau, un boss et quelques niveaux secrets. Dans ce endroit-là, c'est mieux. Donc la prochaine fois, on ira faire le niveau de licence et je sais pas si on fera les challenges, donc je sais pas si on finira la... Enfin, si on aura le temps de tout faire pour finir la nébuleuse. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir. Vous connaissez la chanson. Tous les liens en description. Je vous dis à bientôt pour la suite d'Astrobot. Salut !